La prière Bible en main. Pour prier selon la volonté de Dieu, avec la médiation du Fils, en comptant sur l'intercession du divin conseiller, pour confesser qui est Dieu et qui nous sommes devant notre Père céleste, pour exprimer notre soif de rencontrer Dieu et solliciter la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour en tant que témoin de Jésus-Christ, pour adresser nos vrais besoins par devant le trône de la grâce et comprendre ce que Dieu dit sur nos besoins personnels, pour intercéder devant Dieu en faveur de nos familles, pour soumettre nos pensées, nos rêves, nos projets, nos demandes à la souveraine grâce et la toute-puissance de Dieu, pour rester dans la présence de Dieu jusqu'à l'exaucement, pour revendiquer les promesses de Dieu et appeler à manifestation et accomplissement la part de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, la prière Bible en main. Chaque samedi, 5h-6h AM sur le foyer de communion. Nous attendons vos requêtes. Et ensemble, assiégeons le trône de la grâce en faveur de nos familles, en faveur de notre communauté et en faveur de notre pays. La prière Bible en main, c'est une production du ministère chrétien, le foyer de communion. Veuillez brancher notre compte YouTube et Facebook pour profiter de la prière Bible en main. Eh bien, ensemble devant le trône de Dieu. Bonjour amis et bon réveil. Bienvenue à la prière Bible en main pour aujourd'hui. Moi espérer que bon Dieu continue garder ou nan grâce li. Matin, nous pral garder sujet ça qui c'est le Dieu de la restauration. Le Dieu de la restauration. Alors, les nous parler de restauration, nous c'est action de rétablir dans les conditions premières d'existence. C'est rétablissement. Réparation, c'est quand même nous capables de dire Moussao, c'est des synonymes qui sont capables. Zami, depuis le bon Dieu créé l'homme, bon Dieu lui-même, lui relé l'homme pour le capable de régner avec lui, pour le capable de dominer, pour le capable de collaborer avec lui. Est-ce qu'on l'a? Nous songez, quand la Bible dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur tout ce qui se meut sur la terre. C'est comme si bon Dieu planifiait à ce que l'homme régnait avec lui, dominait avec lui et collaborait avec lui. OK? Mais ça va arriver par la désobéissance, l'homme perd un ensemble de privilèges dont la mise à l'écart de l'homme en dehors du jardin fait que lui privé lui de un ensemble de privilèges. Nous d'accord avec moi que l'homme s'est détruit lui-même en croyant au mensonge du diable et en se soumettant à des conditions auxquelles Dieu n'avait pas appelé l'homme. Il est clair. Bon Dieu a créé l'homme pour lui vivre tout tourment sa yo sous la terre, mais condition d'existence la vie imposée yo par rapport à désobéissance là, par rapport à le fait que l'homme perdu route là, et c'est ça lié. Mais il y en a en vérité pour nous toujours songer, là n'a parlé de sujet ça, c'est que Dieu n'abandonne pas l'ouvrage de sa main. Dieu n'abandonne jamais l'ouvrage de ses mains. Bon Dieu pas jamais abandonné ça lui-même lui créé. Désormais,
l'homme vit une condition irrégulière. En réalité, ce n'est pas la condition qui devait être à l'homme. Cependant, c'est ça la vive par rapport à contexte-là, par rapport à situation personnelle-là. Mais encore une fois, Dieu reste fidèle à sa promesse. Dieu reste fidèle à sa parole. La parole qu'il a prononcée, eh bien, Dieu tient à rétablir l'homme dans sa royauté. Mais dans cette quête de restauration de l'homme, on nous regarde comment mon Dieu passait. D'abord, d'Adam jusqu'au patriarche. Ou là, jusqu'au patriarche. C'est comme si mon Dieu sortir de l'universel. Ok, Adam. Et il parle passer à travers Noé jusqu'à Abraham, comme si là, c'est les patriarches. Parce que il sortir de cadre général là, de cadre universel là, pour lui aller sous yon, alors, sous patriarche là, sous yon famille. Eh bien, malgré tout, l'homme, on dirait que pas fin saisir, porter, privilège que vous gagnez dans mon Dieu. Ça fait que jusqu'à présent, ça n'a pas allé. Bon Dieu sorti de patriarche à Moïse avec la loi. Malgré tout, l'homme n'est pas arrivé d'accord pour saisir la main de Dieu pour qu'il soit capable d'aller d'un commun accord. De Moïse à Jésus, malgré la présence de Jésus, le Fils de Dieu sur la terre, malgré tout, l'homme n'a pas décidé, n'a pas réalisé que l'était nécessaire pour prendre la main de Dieu pour être capable d'aller avec lui dans la direction que bon Dieu t'a planifié. Et maintenant, l'Église de Jésus-Christ. Certainement, des personnes qui se donnent à Christ, qui sont sauvées, qui peuvent chanter Alléluia, qui peuvent faire la formation de disciples, c'est tout à fait bien. Mais la vraie question, c'est en quoi l'Église répond à sa mission pour que, au moins, effectivement, le monde soit capable de crier que c'est l'Éternel qui est Dieu. Eh bien, amis, de l'Église, pour venir gagner place côté que bon Dieu pour établir royaume sous la terre. Et c'est leur ça, oui, amis. N'a commencé par gagner l'homme nouveau que bon Dieu a planifié, l'homme qui pourra régner, ok, avec Jésus-Christ, c'est-à-dire les croyants en Jésus-Christ, ils seront glorifiés, aptes à régner, aptes à diriger, parce qu'ils ne pourront plus pécher, est-ce qu'on l'a? Et avec l'autre catégorie monde que bon Dieu pourra glorifier, bon Dieu pourra glorifier, bon Dieu pour le justifier, pour faire capable de rentrer dans le règne là avec Jésus-Christ. Vous avez pas la voix d'un sujet qui est trop important. Ok? Donc, toujours, Dieu cherche à restaurer l'homme dans ses conditions de royauté. La vérité est que Dieu cherche l'obéissance. Dieu cherche la collaboration. Dieu cherche la coopération. Oui. C'est tout ça, mon Dieu, à chercher avec l'homme pour qu'il soit capable de mener yo au sommet côté li a mené yo, pour qu'il soit capable de mener yo partout côté li même li veut mener yo. Et laisse ça, c'est pour leur propre bien. La Bible dit dans le psaume 23, ok, il restaure mon âme. Voilà, c'est la restauration immatérielle de ceux qui appartiennent à Dieu dans leur volonté, dans leur intellect et dans leur émotion. Voilà. Mais ma question, c'est pourquoi tout ceci? Pourquoi tant de sacrifices pour restaurer l'homme? Ah oui, amis, la Bible dit en Éphésiens chapitre 2, le verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Amen. À cause du grand amour dont il nous a aimés. En Jean 3, le verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde.
et qu'il a donné son fils unique. Donc, amis, nous avons dit que à cause du grand amour que Dieu nous a aimé, parce qu'il a aimé le monde, au point qu'il donne son fils unique à la place du monde, c'est pour dire que Dieu aime le monde, c'est pour ça que bon Dieu t'a toujours voulu que, faut que l'homme reprenne royauté et tôt ou tard, c'est ce qui se fera. Et aujourd'hui, comme croyants, nous pouvons reprendre cette royauté, surtout, c'est-à-dire que pas gagner aucun obstacle pour nous être capable d'exercer royauté ça sous la terre. Voilà, amis. Eh bien, on prie pour nous dire bon Dieu merci, pour nous rendre bon Dieu action de grâce. Ok? Bon Dieu ça, n'est-ce pas? Qui c'est bon Dieu restauration? Bon Dieu ça, qui c'est bon Dieu qui par contre la gagne nous? Hein? Bon Dieu ça, c'est bon Dieu ça le dit, c'est ça exactement que l'a fait. Eh bien, nous avons intérêt pour que nous capables de prier bon Dieu ça, pour nous dire merci, pour nous adorer lui, oui, pour nous adorer lui comme rédempteur, comme créateur, comme consolateur, pour nous adorer lui, parce que c'est lui-même qui est bon Dieu, pas nous, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. On prie ensemble pour dire mon Dieu merci, parce que c'est bon Dieu restauration. Et il fait tout parcours pour que nous soyons capables de restaurer nous. On prie ensemble. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, nous te remercions parce que tu es Dieu et que tu es aussi le Dieu de la restauration. Voilà, nous te sommes reconnaissants. Dans ton plan, tu disposes toujours de notre délivrance lorsque le malheur nous atteint. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci pour ta restauration. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous vivons notre restauration en Christ. Au nom de Jésus, nous déclarons que sur la terre, nous vivons la restauration avec Dieu. Au nom de Jésus, nous t'adorons Père ce matin. Parce que tu établis le ministère du foyer de communion, nous te glorifions, Père, à travers l'investissement que tu fais en nous, de pouvoir communiquer tes grâces et prononcer tes oracles. Ô Père, nous bénissons ton beau nom et que ta gloire puisse s'éclater, que ton beau nom en soit béni et que notre pays en tire soulagement de tant de maux qui nous rongent et nous rendent malheureux. Au nom de Jésus, merci Père pour tout. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu de la restauration. Nous bénissons ton nom. Oh oui Père, merci pour cette grâce et cette faveur. Et nous réclamons toutes ces faveurs. Nous réclamons toutes ces grâces. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu de la restauration. Nous comptons sur toi pour réparer, pour restaurer, pour équilibrer la vie de chacun de tes enfants. Oh oui, Père, malgré les défaillances, oh malgré les défaillances, mais nous comptons sur toi et nous continuons de compter sur toi. Merci pour tout. Tu es le Dieu de la restauration. Et nous te disons merci. Tu es le Dieu de la restauration, nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu de la restauration, tu es le Dieu de la restauration, nous te rendons action de grâce au nom et par les mérites infinis de Jésus. Amen. Amen et amen. Voilà, amis, bon Dieu, c'est bon Dieu, restauration. Est-ce qu'on te connaît que le royaume de Dieu a un but restaurateur? Voilà. Eh bien, le royaume de Dieu, c'est un projet de restauration. Un projet de restauration. La Bible dit, en Romains chapitre 8, verset que je vais vous lire. En Romains chapitre 8, c'est très important ce passage parce que là nous parlons de l'idée de restauration. Hein? En Romains chapitre 8, attendez bien, oui, mais qui sa parole, bon Dieu dit. Là, c'est la grande transition que nous allons regarder ensemble. Ok? En perspective de la gloire à venir. La Bible dit, j'estime que
Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19. Aussi, la création attend-elle un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Voilà, et il est dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. » Autrement dit, amis, même création a tant de restauration. Même création a tant de réparation. Même création a tant de recommencement. Même création a tant de renouveau dans le monde. Là. Même création a tant de renouvellement au nom de Jésus. Voilà, amis, c'est pour me dire que question vie ni royaume, non, il y a un but restaurateur. Il y a un but restaurateur. Parce que l'abvini pour lui aider, pour que lui capable de rétablir, non seulement l'abvini imposer le règne de la justice, ah oui, l'abvini imposer le règne de la justice selon Dieu, la justice selon le cœur de Dieu, c'est ce qui va être établi sur la terre, dans le royaume, avec Jésus-Christ comme chef, avec Jésus-Christ comme roi. Et bien voilà, en nous gardant ensemble, parole de Dieu, amis, côté que même la création sera aussi restaurée au nom de Jésus. Eh bien, à travers la loi et les prophètes, bon Dieu a toujours annoncé l'établissement de son royaume. Côté petit lit pour le régner. Il était préfiguré avec David. Il dit David a toujours eu un descendant sous trône. Non. On fait référence c'est à Jésus. Parce que un royaume éternel. Avec un roi éternel, ça ne peut être que Jésus. Eh bien, voilà. Eh bien, là, dans le royaume, non, ce que Jésus va faire, il réunira le ciel et la terre sous un seul chef. À savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Est-ce qu'on l'a, amis, moi? Est-ce qu'on l'a? C'est-à-dire que ça va arriver. Ça va arriver parce que c'est ce que Dieu dit, ça va arriver et ça doit arriver. Et il faut comprendre que ça c'est dans le cadre du royaume. C'est dans le cadre du royaume. Et regardez bien, Jean-Baptiste a prêché aux Juifs quoi? De se repentir. Mais pourquoi? Pour se préparer à accueillir le Messie, à accueillir le Messie, le roi qui régnera. Voilà. Mais le Messie était effectivement venu. Mais l'aveuglement des Juifs ne leur permettait pas de voir en Jésus leur Messie. Ils l'ont fait mourir sur une croix. Voilà. Mes amis, où est côté bon Dieu a déplacé Pion partout parce que c'est dans la restauration le pralé. Eh bien, la résurrection de Jésus-Christ l'a relevé. Il est relevé. Et désormais, c'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Vous comprenez ça? La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé, Philippiens 2, verset 9, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Est-ce qu'on comprend? Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et voilà. Et le chant dit, tout genou fléchira devant le trône, tout genou fléchira devant Dieu. Ainsi, amis, la foi en Jésus-Christ fait naître de nouveau et réintroduit chaque croyant dans le règne éternel de Jésus-Christ. C'est ça la Bible dit, oui. De Corinthiens 5, 17, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, restauration, amis. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et en 2 Timothée 2, le verset 12, qu'est-ce qu'il a dit? Si nous persévérons avec lui, si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Est-ce qu'on l'a, amis? 2 Timothée 2, verset 12, oui. Eh bien donc, à travers les croyants, le Saint-Esprit prépare les ouvriers pour le royaume de Dieu. Mais la vérité, amis,
à travers l'église locale, à travers les croyants. Le Saint-Esprit prépare les ouvriers du royaume de Dieu. Donc, amis, la promesse faite à Abraham de bénir toutes les nations sur la terre. Ok? De bénir toutes les nations sur la terre à partir de la postérité d'Abraham, et bien c'est dans le règne millénaire de Jésus-Christ. Oui, que cela va se faire. Oui, à travers son règne millénaire sur la terre, il bénira toute la terre. Oh oui, c'est le second Adam. Amen. Et la Bible dit aussi que comme croyants, nous sommes fils et filles d'Abraham, selon Galates 3, verset 29. Est-ce qu'on l'a? Galates 3, le verset 29, côté que la Bible dit que « Mais nous-mêmes, tout qui est-ce nous y est? Parce que nous avons la foi dans Jésus-Christ. » Eh bien, c'est exactement ça qui arrive, oui. C'est exactement ça qui arrive. Il dit « Et vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Amen. Galates 3, verset 29. « Ma voix pour vous. » Et vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Mais ça, mon Dieu, planifié, et c'est dans le royaume, non? Tout ça a gagné pour lui, capable d'accomplir. Est-ce qu'on l'a? Ainsi, la nouvelle naissance du croyant prédispose le croyant au règne éternel avec le Seigneur. Voilà. Voilà. Et nous songer histoire ça à côté disciples plein pour dire Jésus-Christ. Nous quittons toute bagarre pour nous suivre. Ah, nous quittons toute bagarre pour nous suivre Jésus-Christ dit ah regardez pas de personne monde qui a quitté en rien et qui pas réparer, qui pas restaurer, qui pas recevoir saleté bail là avec en pile intérêt. Amis, même avec vous, nous avons intérêt pour nous prier, pour nous capables de dire bon Dieu, voilà projet restaurateur que le gagnant hein? Nous besoin pour nous capables vivre li, nous besoin pour nous capables faire face à li, pour nous vivre li, pour nous réalité que c'est bon Dieu, c'est bon Dieu qui met la terre, c'est bon Dieu qui met tout bagaille et c'est bon Dieu qui a vini, oui, pour lui délivrer nous de tout monde qui a fait nous peur, pour lui délivrer nous de tout monde qui sorti pour embarrasser nous, pour lui délivrer nous de toute bagaille, oui, qui pas aller avec volonté, bon Dieu. Voilà, amis, nous allons prier pour le projet restaurateur de Dieu. On va le prier pour le projet restaurateur de Dieu, en sorte que bon Dieu baille pour que y ait une restauration qui fait dans le pays, nous, parce que nous avons souffert, nous comptons ça. Et c'est ça que nous allons prier pour demander, bon Dieu, qu'on y a là. Voilà, amis, nous allons prier. Comme on dit déjà, nous allons prier. Nous allons rendre action de grâce à bon Dieu pour projet restaurateur. Voilà. On nous prie ensemble. Dis éternel, bon Dieu. Oh, nous bénissons au matin hein, pour projet restaurateur que vous gagnez pour la vie nous chaque. Nous bénissons pour ça. Merci parce que vous n'avez jamais manqué parole. Merci parce que ça vous t'a dit assez exactement lui-même que vous aimez. Oh, merci parce que vous êtes un homme de parole. Oui, oui, merci papa parce que vous êtes un homme qui dit la vérité et toute la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et que personne ne peut atteindre le Père sans lui. C'est pour dire que l'Éternel, merci parce que vous êtes bon Dieu, restauration. Merci parce que vous êtes bon Dieu, restauration. Papa, il y a beaucoup de situations que nous demandons au papa pour que vous interveniez pour restauration. Mais au nom de Jésus, nous déclarons que le royaume de Dieu, c'est ce que nous recherchons. Le royaume de Dieu, c'est ce que nous voulons. Le royaume de Dieu, c'est ce que nous chérissons. Parce que nous savons que c'est là que tu nous réserves notre royauté. Alléluia. C'est là que tu nous réserves
notre royauté. C'est là que tu nous réserves notre règne, notre domination. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, Père. Nous te remercions. Oh, mais que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es extraordinaire, parce que tu planifies notre règne malgré les situations de péché, malgré les situations compliquées, malgré la situation difficile, malgré la pauvreté extrême dans notre pays, malgré, oh Père, tant de difficultés que nous pas même arriver capable de dénombrer, mais au nom de l'Éternel, oh, notre règne est planifié, le royaume est planifié, au nom de Jésus, tout genou fléchira, au nom de Jésus, tout genou fléchira, au nom de Jésus, tout genou fléchira, et au nom de Jésus, nous régnerons, nous régnerons, nous régnerons, nous régnerons, nous régnerons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci pour le pouvoir. Merci pour le pouvoir de devenir ton enfant. Merci pour le pouvoir d'être accepté par toi. Oh, merci pour le pouvoir que c'est toi qui nous as octroyé. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus, nous te rendons action de grâce. Au nom de Jésus, nous te remercions. Oh, merci Père, parce que tu es notre Dieu. Merci Père, parce que tu es le Dieu qui est concerné par tout ça qui a passé, notamment dans ce qui a passé dans tête petit touyo, notamment ce qui a passé dans cœur petit touyo. Nous bénissons pour ça, nous remercions. Merci pour toute bagaille, merci pour toute bagaille, merci pour toute bagaille. Merci parce que c'est mon Dieu restauration. Au nom de Jésus, merci parce que c'est bon Dieu restauration. Il y a tant de besoins, Seigneur, qui ont besoin de restauration dans nos corps physiques, dans notre mental, oh, dans notre cœur. Il y a tant de besoins, Père, pour toi, pour ta restauration. Au nom de Jésus, interviens et puissamment. Au nom de Jésus, interviens et puissamment. Au nom de Jésus, interviens et puissamment pour que nous capables connaître des jours qui meilleur, au nom de Jésus. Oh Père, merci pour le Dieu de restauration. Merci pour la restauration en Christ. Merci pour la restauration en Christ. Et merci pour la restauration en Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et amen. Voilà, amis, matin, on choisit un cas particulier pour que nous capables de garder ensemble comme une étude de cas. C'est le cas de Job. Nous parlons de Job comme une illustration de la restauration divine. Amen. Job comme une illustration de la restauration divine. Job. On regarde bien, amis. Le témoignage de Dieu pour Job, son intégrité, ah oui, c'est quelque chose à rechercher, c'est quelque chose à rechercher, c'est quelque chose à demander au Seigneur, c'est quelque chose à respirer, à réfléchir, à expliquer aussi. Voilà. Job, honnête, intègre, droit, se détournant du mal. C'est comme si Job, extraordinaire, merveilleux, merveilleux, extraordinaire. Mais voilà, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il est accusé par l'ennemi d'être un serviteur intéressé. Mais, dans tous les cas, être un serviteur intéressé, ce ne serait pas mauvais a priori. Parce que quelque part, il y a un intérêt quand même pour choisir le Seigneur. Il y a un intérêt quand même pour adorer le Seigneur. Il y a un intérêt quand même pour l'écouter. Il y a un intérêt quand même pour le voir face à face. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Et voilà, amis, l'ennemi qui jaloux et qui prétend que le service de Job est un service intéressé. Donc, si Job n'avait pas ces conditions là où il se trouve, eh bien,
Job ne serait pas un croyant fervent. Vous connaissez l'histoire là, côté que bon Dieu refuse ça. Vous dites non, il n'est pas question. Et voilà comment Dieu allait autoriser, il allait accepter que Job, ok, soit éprouvé dans cette situation là. Derrière la scène, nous ne sommes pas appelés à tout comprendre, mais nous sommes appelés à écouter le Seigneur nous parler et à le suivre. Voilà. Eh bien, voilà comment Job, éprouvé en perdant tout, abandonné, Job est accusé même par ses amis. Et Job a, s'est justement défendu et il dit qu'il attend le mot de Dieu. Voilà, amis, il y a des situations où nous souffrons amèrement. Nous sommes bien obligés d'attendre le mot de Dieu. Pourquoi le mot de Dieu? Parce que seul le mot de Dieu soulage de la tristesse. Seul le mot prononcé par le Seigneur soulage les cœurs. Seul le mot prononcé par le Seigneur donne la meilleure orientation à l'âme qui souffre. Voilà, amis, pour qui ça, moi-même ensemble avec vous, nous avons intérêt pour nous comprendre ça, bon Dieu dit, pour nous pas courir non plus, et puis pour nous pas courir, parce que bon Dieu qui relie nous, il comprend pour qui ça relie nous, et bien voilà que Job, en situation difficile, même ses amis l'accusent et le jugent, et bien voilà la situation qui devient plus compliquée. Mais Job se dit non, moi j'attends au Seigneur. J'attends que le Seigneur vienne lui-même. Il ne va pas envoyer un représentant, il viendra lui-même. Et voilà comment maintenant il est abandonné, il est accusé, Job, et Dieu va intervenir pour calmer cette tempête émotionnelle que Job a connue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré Job. Zami, bon Dieu c'est la grâce, bon Dieu c'est la bonté, bon Dieu c'est la miséricorde. Eh bien, bon Dieu bénit Job. L'été bénil, li bénil encore. Sa bon Dieu bénit, li bénil net. Parole bon Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, moi déclarer que vous objet de bénédiction, bon Dieu. Au nom de Jésus, moi déclarer que vous objet de bénédiction, bon Dieu, parce que c'est bénédiction, bon Dieu, qui éternel, parce que c'est bénédiction, bon Dieu, qui pas aucun chagrin qui a suivi. Est-ce qu'on comprend? Et bien dans ce cas, tout comme Job, est-ce qu'on est que le Seigneur planifie de nous restaurer aussi? Chaque croyant, parce que bon Dieu planifie pour nous la vie abondante, est-ce qu'on a la vie abondante? Et m'a dit ça, amis, contrairement à la situation qui était arrivée avec Job, côté que il y a un monde qui accusait Job, et Job éprouvé, m'a dit ça, amis, désormais, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Et il est dit aussi, aucune accusation. Question, qui accusera les élus de Dieu? Personne. Et rappelez-vous, notre avocat a déjà gagné et remporté la victoire. La Bible dit en Colossiens chapitre 2, verset 13, 14, 15 et même 16, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire, bon Dieu, pas dans jouet, amis. Bon Dieu, pas dans jouet. Pour chrétiens, pour petit bon Dieu, yo, c'est un cas spécial. C'est un cas à étudier. La parole de Dieu dit que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, et par la glorification, bien, nous serons semblables à Jésus. Donc, délivrés même de la présence du péché. Donc, ce sera la gloire. Donc, Job est restauré et il est doublé. Job est restauré et doublé. Toute salle des possédés, yo vin deux fois plus. À l'exception des enfants. Mais toute salle des possédés, yo vin doublé.
Donc, amis, nous pouvons prier pour nous bénir le ciel parce que non seulement il a restauré Job, mais il promet pour lui restaurer chaque petit lio, il promet pour lui restaurer nous chaque comme petit bon Dieu et non seulement la restaurer nous tout. Gardez bien, oui, amis, la restaurer nous. Oui, n'est-ce pas? La restaurer nous, mais la baille nous la vie abondante. La baille nous la vie abondante, amis. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend de qui ça m'a parlé? Ah, eh bien, si vous comprenez de qui ça m'a parlé, nous allons prier ensemble pour nous rendre bon Dieu action de grâce. Oh oui, nous allons rendre action de grâce pour ça le faire, pour ça le lier, pour ça le faire pour nous. L'âme, cette cité, en pile pour vous, c'est ça que nous allons faire la cognac. Prépare vos amis, nous allons prier. Voilà, amis. Nous allons prier, nous allons bénir bon Dieu nous, parce que c'est bon Dieu restauration pour chaque croyant dans Jésus-Christ. Ok? Il te fait pour Job, il lui promet pour le faire pour nous chaque comme croyant. Voilà. Voilà. Éternel bon Dieu, nous remercions, nous bénissons, nous rendons action de grâce parce que c'est vous-même qui bon Dieu. Nous bénissons parce que selon parole, pas de condamnation pour petit ou yo. Pas de aucune condamnation pour yo. Parce que c'est vous-même qui a franchi yo déjà. Au nom de Jésus, nous remercions vous. Et au nom de Jésus, nous déclarons affranchissement pour chaque petit ou yo. Nous déclarons affranchissement au nom de Jésus. Nous déclarons liberté nous. Nous sommes capables de jouir de liberté nous. Parce que c'est vous-même qui bon Dieu nous. Nous remercions vous, papa, pour toute bagaille. Merci parce que pas de condamnation, pas de accusation, pas de séparation, parce que nous sommes petits tout. Nous bénissons et nous encourager par ça. Merci parce que là où intervenu, vous calmez vague tempête. Là où intervenu, vous avez la paix. Là où intervenu, vous avez la sécurité. Nous bénissons pour ça, papa, et nous disons merci. Merci pour grâce, merci pour bonté. Merci pour fidélité ou, merci pour miséricorde ou papa. Oh, merci pour toute bagaille envers nous. Au nom de Jésus, nous déclarons que l'accusateur échoue. Au nom de Jésus, nous déclarons que l'accusateur échoue. Et au nom de Jésus, nous déclarons que notre avocat qui a déjà gagné, qui a déjà remporté la victoire, au nom de Jésus, nous déclarons sa gloire. Au nom de Jésus, nous déclarons son règne. Au nom de Jésus, nous déclarons sa splendeur. Au nom de Jésus, nous déclarons sa beauté. Au nom de Jésus, nous déclarons son éclat. Au nom de Jésus, nous déclarons le règne de Dieu. Oh, merci Père pour toutes choses. Tu es le Dieu de la restauration. Oh oui, merci parce que tu nous glorifies. Merci parce que tu nous rends semblables à Jésus. Merci parce que nous sommes délivrés de la présence même du péché. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Merci pour ta gloire. Nous bénissons ton nom pour ta gloire. Nous te remercions pour ta gloire. Nous rendons action de grâce pour ta gloire. Parce que toi, Seigneur, tu mérites notre adoration. Tu mérites nos louanges. Tu mérites notre adoration. Tu mérites nos louanges. Tu es le Dieu de la restauration. Nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu de la restauration. Nous bénissons ton nom. Tu as restauré, Seigneur. Oh oui, tes enfants. Au nom de Jésus, nous te remercions. Oh, le pardon des péchés. Nous bénissons ton nom. Le pardon des péchés. Nous bénissons ton nom. Le pardon des péchés. La vie éternelle. Le pardon des péchés. La vie éternelle. Nous bénissons ton nom. Et nous te remercions. Merci pour tout, tendre Père. Merci pour tout, tendre Père. Tu es le Dieu de la restauration. Nous connaissons à préparer. Ou pas quitter nous tomber. Ou à préparer cœur nous. Ou à préparer nom nous. Ou à préparer corps nous. Au nom de Jésus, nous déclarer restauration sous la vie nous. Au nom de Jésus,
nous déclarer restauration divine sous famille nous. Au nom de Jésus, nous déclarer restauration divine pour chaque monde qui n'a pas de communion. Au nom de Jésus, nous déclarer, oh oui, restauration divine pour quartier côté nous vivre là, pour pays d'Haïti en général. Oh Père, tu connais, tu vois toutes choses. Et nous bénissons ton nom parce que tu restes sur ton trône. Même quand il y a déluge, tu restes sur ton trône et que tu règnes éternellement. Nous bénissons ton nom, nous te remercions, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Oh merci tant de Père, merci tant de Père, merci tant de Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Et maintenant, amis, quelles sont nos requêtes au Dieu de la restauration? Sous ta va, il y a une demande que tu as fait à bon Dieu, ça a connu, qui ça le tapis? Ah oui? Pour les non-croyants, c'est des gens qui ne connaissent pas Jésus, je dis bien. Toute la disposition est là pour votre restauration à tous les niveaux. Ah oui? Vous saisissez ça? Il suffit juste que vous reconnaissez que vous avez besoin, mon Dieu, pour faire appel à Jésus pour entrer dans la vie. Et désormais, ou fait partie de catégorie ça, côté bon Dieu, à restaurer, non seulement la restaurer, la baie au royaume tout, et non seulement royaume non, mais gardez non, le restaurer, ou venir glorifier, ou au nom de Jésus. Merci Père, merci pour tout, merci pour tout, et je bénis ton nom. Voilà, et bien, comme croyant, aussi, restauration spirituel intrinsèque nous gagnons déjà. Dans 2 Corinthiens 5, il est dit quelqu'un qui est en Christ est une nouvelle créature. Oula, nouvelle créature. Et en Éphésiens 2 verset 5 et 6, il est dit que il nous a ressuscité ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc gardez bien amis, nouvelle nature, nouvelle résidence, nouvelle famille, nouvel héritage, nouvelle destinée, victoire totale, nouvelle fonction, nous venions sous d'eau vive qui a coulé jusque dans l'éternité. Oh, nous c'est des ambassadeurs. Ça veut dire, amis, vous comprenez que ce n'est pas une messe à faire. Ce n'est pas une messe à faire. Il dit bien non, non, et dans 2 Corinthiens chapitre 5, si vous connaissez le passage, ça 2 Corinthiens chapitre 5, m'appelez pour vous, mais au moins verset 19. Côté que le dit, d'abord verset 18, côté le dit. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà, c'est-à-dire que nous venons gagner au ministère de la réconciliation. Mais deuxièmement, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pour aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Encore la parole de la réconciliation. Verset 20, il dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeur pour Christ, ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, ok, nous vous en supplions donc, au nom de Jésus-Christ, soyez réconcilié. Donc, nous faisons fonction d'ambassadeur. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Dieu. Donc, nous gagnons une nouvelle fonction. Et la Bible dit que nous venions sous d'eau vive. Si vous regardez bien dans Jean chapitre 7, ok, je vous fais la lecture quand même. En Jean chapitre 7, mais qui sa parole, bon Dieu dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et pour interpréter ça, il dit verset 39, il dit cela parce que
en l'esprit qui que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'avait pas encore été, l'esprit n'était pas encore, ok, l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce qu'on voit, c'est-à-dire que comme croyants, nous sommes devenus une source d'eau vive qui jaillit jusque dans l'éternité. Mais ça n'a pas dit, mes amis. C'est vraiment extraordinaire. Donc, amis, le bon Dieu fait tout ça déjà pour vous. Qui s'accrète pour faire même? Qui requête comme bien devant mon Dieu? D'abord, c'est le pouvoir expérimenter la vie abondante en attente. La vie abondante. Parce que parole de Dieu dit dans Jean 10, verset 10, que Jésus-Christ est venu pour que les croyants aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? C'est ça parole de Dieu dit. Mais m'abdou bien, il y a un secret. Le secret, c'est Matthieu chapitre 6, verset 33. Il est dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et tout le bagage a venu comme automatiquement. Donc, amis, aucune raison de nous inquiéter. Et il est dit, par nos inquiétudes, nous ne pouvons ajouter aucune goutte à notre vie. Par nos inquiétudes, nous ne sommes pas capables de faire situation qui l'a pour nous transformer. Par inquiétude, nous, inquiétude fait qu'on aggrave la situation. Eh bien, amis, c'est ça que fait mon aimé. Le Martin Luther King Jr. dit que, regardez comment ça se passe, si vous n'êtes pas capable de courir, marcher. Si vous n'êtes pas capable de marcher, quel que soit le cas, mais pas suspendre, bouger. Pas suspendre, bouger. Eh bien, amis, mon dame est venu tout ça, je dis, a aucune raison de nous inquiéter. Et me parle donc que notre santé spirituelle, pour notre santé physique, mais on requête. Ô Père, Emmanuel Joseph, Brunette Paul, nous besoin prier pour vous. Voilà. Pour santé émotionnelle, priez pour les Haïtiens dans le moment, priez pour les policiers dans le moment. Qui besoin vraiment santé émotionnelle ça, qui vraiment affecté, nous besoin yo, nous besoin prier pour yo. Autre chose, nous que pour nous prier comme croyants, en nous prier pour ardeur, pour zèle, pour motivation, pour notre vie dans le ministère. Oh oui, la Bible dit, oui, il restaure notre âme en dans le psaume 23, c'est David. Pour nos finances, songez ça, bon Dieu fait pour Job. Malgré l'été fin perdu tout bagage, certes, mais au nom de Jésus, Job est restauré. Au nom de Jésus, Job est restauré. Non seulement qu'il est restauré, mais il est doublé. Eh bien, au nom de Jésus, nous sommes capables de déclarer que finances nous doublé au nom de Jésus. Bon Dieu connaît qui ça nous perdu. Bon Dieu connaît qui manque à gagner, que nous gagnons. Oui, bon Dieu capable de prendre ça en charge. Nous devons requête pour bon Dieu. Hein? Pour nous prier, bon Dieu, pour nous parler de famille, nous. Oh oui. Même Jean, bon Dieu, restaurer la famille de Job. Job a retrouvé ses 10 enfants. Ah oui, amis. Il a retrouvé ses 10 enfants. C'est pour dire que quelque part, bon Dieu, tient à cœur la famille malgré les circonstances difficiles et douloureuses. Eh bien, nous-mêmes, tous nous capables de revendiquer famille nous devant bon Dieu. Aussi, notre vie professionnelle active, nous capables de venir pour nous réclamer le tout devant bon Dieu. Aussi, nos projets, les rêves inspirés que le Seigneur nous a mis sur le cœur, la vision inspirée, nous besoin de prier pour nous dire bon Dieu, pour atterrir bagay sa yo, pour accomplir yo tout dans la vie nous. Et merci pour ça que nous allons prier Konya, préparer aux amis, ça c'est requête yo, n'a prié pour frère Emmanuel Joseph, n'a prié pour Brunette Paul, n'a prié pour tout membre foyer de communion, n'a prié pour tout le monde qui est connecté avec nous d'une manière ou d'une autre, n'a prié pour tout partenaire nous yo, n'a prié pour pays nous, n'a prié pour ministère chrétien en Haïti. N'a prié pour le ministère pastoral en Haïti. N'a prié pour tout. Mais n'a commencé comme ça pour dire Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom saint et glorieux. Nous bénissons ton nom qui est une merveille. Nous bénissons ton nom parce que pas de comparaison à non ça. Et au nom de Jésus, nous venons dire que Papa, merci pour nouvelle nature que vous bail nous. Merci pour nouvelle résidence que vous bail nous. Vous faites nous l'autre monde, papa, un monde tout
neuf, il est dans la résidence qu'on a préparé pour nous. C'est un bagage extraordinaire et que des yeux nous parlent pour qu'on wéli. Oh papa, nous te merci. Merci pour nouvelle famille qu'on bail nous. Désormais nous sommes divins, désormais nous sommes célestes. Nous bénissons ton nom. Merci pour le nouvel héritage en Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom. Merci pour la nouvelle destinée, la gloire au nom de Jésus. Nous te remercions. Merci pour la victoire totale sur toutes les forces de l'enfer. Au nom de Jésus, nous te disons merci pour cela. Merci pour la nouvelle fonction. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ sur la terre. Nous bénissons ton nom. Oh, merci parce que nous sommes une source d'eau vive coulant jusque dans l'éternité. Alléluia. Nous bénissons ton nom et nous te remercions. Merci, tendre Père. Merci pour l'expérimentation de la vie abondante. Merci pour l'expérimentation de la vie abondante. Oh, Père, la cause du royaume, au nom de Jésus, c'est ce que nous recherchons. Au nom de Jésus, c'est l'évangile en dehors des quatre murs. Au nom de Jésus, c'est l'évangile pour tous. Au nom de Jésus, c'est l'évangile, c'est l'évangile, c'est l'évangile. Un point, c'est tout en dehors des quatre murs. Oh, c'est l'évangile du royaume. Au nom de Jésus, c'est ce que nous déclarons. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus, aucune raison de nous inquiéter. Au nom de Jésus, aucune raison de nous inquiéter. Notre santé spirituelle est entre tes mains. Nous nous confions à toi. Notre santé physique est entre tes mains. Nous nous confions en toi. Frère Emmanuel Joseph, nous prions pour lui et toute la famille Joseph et toute la famille Laguerre. Ô Père, réponds au nom de Jésus. Nous prions pour notre sœur Brunette Paul, ô cette femme, ô Dieu, pour ses pieds avec question ça, papa, qu'on connaît, il opéré déjà dans yon nan pied yo, mais nan fwa ça, papa, nous mande ou, et au nom de Jésus, nous connaissons guérisseur par excellence, nous réclamons la guérison pour notre sœur, et nous prions pour toute la famille, Père. Permettre que vous soyez capable de grandir avec vous. Merci pour le projet. Merci pour le projet Niture. Vous soyez capable de grandir, qui a loin. Au nom de Jésus, que le succès accompagne constamment cette famille. Au nom de Jésus, merci Père pour notre ardeur spirituelle. Merci pour notre zèle. Merci pour notre motivation. Merci pour notre vie de ministère. Au nom de Jésus, nous prions que tous tes enfants soient canalisés. Oui, vers ces rives du ministère, que tu les motives. Ô Père, il y a tant de monde blessé, papa, qui a abandonné. Il y a tant de monde blessé, que la vie a rongé, que la situation a découragé. Au nom de Jésus, nous déclarons la fin de ces problèmes. Nous déclarons la fin de ces réalités, malgré les difficultés. Qu'on baille nous pour nous capables, papa. Toujours été accroché à vous et à vous seul. Merci papa, au nom de Jésus, nous restaurer. Au nom de Jésus, nous restaurer. Au nom de Jésus, famille nous grandit. Au nom de Jésus, famille nous grandit. Au nom de Jésus, vie professionnelle nous épanouit. Au nom de Jésus, les projets, les rêves inspirés que tu nous as mis sur les cœurs. Ô Père, la vision inspirée du foyer de communion. Ô Père, la sécurité, nos policiers, Seigneur, pour mental, yo, pour cœur, yo, pour fonction, yo, pour physique, yo, pour intelligence, yo, pour morale, yo. Père, nous prions pour chaque policier sur le territoire national, ça. Pour chaque policier qui sacrifie vie pour la sécurité, oh, qui sacrifie famille, oh papa, nous prions pour yo, papa, ou à prendre soin famille, ou à prendre soin au chat, ou à faire sécurité, ou à faire sécurité, ou à faire garder à Jésus, ou à faire garder où, pour connaître que vraie sécurité à nan où,
et que vous-même vous êtes serviteur ou dans le contexte ça. Au nom de Jésus, merci papa. Toute prière ça, papa. Nous prions, papa, pour le foyer de communion. Tout le monde vous fait connecter avec nous d'une manière ou d'une autre, dans une étude biblique quelconque, dans une prière quelconque, dans une rencontre quelconque. Papa, nous prions que vous avez une sécurité, vous avez une vision qui est inspirée, vous avez un rêve qui est inspiré de vous, vous avez un projet qui est inspiré de vous pour le royaume, vous avez une vie professionnelle épanouie, vous prenez soin de la famille, vous renouvelez les finances, même si vous avez fait le job, vous renouvelez les noms. Au nom de Jésus, vous avez un zèle, vous avez une ardeur, vous avez une motivation, vous avez une vie dans le ministère. Au nom de Jésus, nous déclarons ce partage. Tout ça, au papa, on a prié pour Raphaël, côté Lia. Papa, vous connaissez tout le bagaille. Vous connaissez tout le bagaille. Famille qui est derrière, vous connaissez tout le bagaille. Gardez-vous dans la grâce. Gardez-vous dans la grâce. Il y a tant d'autres familles. Marie-Lucie, Seigneur. Oh Père, merci pour guérison. Merci pour guérison. Merci pour tout le bagaille. Il y a tant d'autres besoins, Seigneur. Il y a des familles. Proche de famille, oh Père, au compte tout bagage, au compte cœur, nous, papa, oh situation, ça, oh Seigneur, nous dépassons, nous, mais nous ne connaissons pas dépasser, au nom de Jésus, nous comptons sur vous, nous bénissons, tout merci, nos parents, capaïtiens, oh Père, nos parents, nos amis, nous, oh, il y a tant de situations, 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 mais nous comptons sur toi, nos yeux sont sur toi, nos yeux sont sur toi, nous sommes triomphants devant ton trône, nous sommes triomphants devant ton trône, nous sommes triomphants devant ton trône, parce que c'est toi notre Dieu, c'est toi notre bon Dieu, c'est toi notre grand Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te prions, amen, 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 et disons amen, ami, amen. Amen. Et enfin, amis, nous allons prier Konya pour nous rendre bon Dieu sa action de grâce parce que c'est bon Dieu restauration. Et pour nous faire ça, la pluie Bible nous, dans psaume 126, nous allons lire li, et après lecture là, nous allons justement prier pour nous capables de terminer. Psaume 126, c'est un cantique des degrés. Mais qui sa parole, bon Dieu dit? Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est-à-dire, les regardez, vous avez déportation à Babylone, non? Et regardez, je suis à pour retourner. Mais oui. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ah oui, amis, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène les captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ouh! Ouh! L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. N'est-ce pas, ami? Eh bien, en nous rendant, mon Dieu, sa action de grâce, nous, on dit merci. Oh Père, merci. Merci pour tout. Merci pour cette belle matinée. Merci pour la prière Bible en main. Merci pour tout le monde qu'on fait connecter. Merci pour bénédiction qu'on a déversé en abondance. Merci pour foyer de communion. Merci pour ministère chrétien en Haïti. Merci pour ministère pastoral dans le pays. Ça, nous bénissons. Merci pour tout bagay. Merci pour famille nous yo. Merci pour besoin yo tout. Nous confions à vous au nom de Jésus et nous déclarer que vous avez une solution parce que c'est vous-même qui mon Dieu nous. Parce qu'on pas jamais abandonner nous. Parce qu'on promet pour pas jamais laguer nous. Parce qu'on promet pour faire route avec nous. Parce qu'on promet nos solutions. Parce qu'on promet nos restaurations. Parce qu'on promet nous tout bagay qui est bon au nom de Jésus. Merci pour les grâces. Merci pour les faveurs, merci pour la miséricorde, action de grâce pour vous, Jésus, action de grâce pour vous, papa, action de grâce pour vous, papa, parce que c'est vous-même qui connaissez tout le bagage, c'est vous qui faites tout le bagage. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes objets de protection, au
Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes sous zone de protection. Au nom de Jésus, nous déclarons que zone côté nous passer au stérile. Au nom de Jésus, nous déclarons que zone côté nous passer au stérile. Au nom de Jésus, nous déclarons provision pour la vie nous. Au nom de Jésus, nous déclarons réparation sous la vie nous. Au nom de Jésus, nous déclarons restauration sous la vie nous. Et au nom de Jésus, nous déclarons progrès sous la vie nous. Au nom de Jésus, nous déclarons la vie de Dieu dans notre vie. Au nom de Jésus, nous déclarons la vie de Dieu sur la foi et la communion. Au nom de Jésus, nous déclarons la foi de Dieu sur notre foi et la communion. Au nom de Jésus, nous déclarons la foi de Dieu sur notre famille. Au nom de Jésus, nous déclarons la foi de Dieu sur chaque personne que tu connectes à notre service. Au nom de Jésus, nous déclarons guérison, guérison, guérison spirituelle, guérison mentale, guérison, guérison spirituelle, guérison mentale, guérison physique, guérison émotionnelle. Ô Père, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout et merci pour tout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es le Dieu de la restauration, nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu de la restauration, nous te levons plus haut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus et au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Mes amis, nous, c'était un plaisir pour nous être ensemble matin. Nous disons bon Dieu merci et nous déclarer que prière ou par en vain devant mon Dieu. Nous déclarer que bon Dieu continue pour soin et protéger et bénir au côté où il y a. Et au nom de Jésus, nous déclarer que toute victoire là, c'est pour nous lier parce que Jésus-Christ est à gagner pour nous déjà à la croix. Nous pas capables de perdre parce que c'est avancer, avancer. Voilà, amis, comment je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit, mais surtout accompagné de notre Dieu. C'était la prière Bible en main pour ce samedi. Encore une fois, nous comptons sur mon Dieu et nous comptons sur l'autre, n'est-ce pas? Ensemble devant le trône, ensemble devant le trône. Voilà, amis, bon week-end, et aussi, je suis capable de dire ça, à demain, oui, dans le foyer de communion, pour ce culte d'adoration à notre Dieu. Côté que nous parlons, comment servir en reconnaissance. Nous allons servir le Seigneur en toute reconnaissance. Voilà, vous invitez à participer avec nous. Oui, ce dimanche 29 janvier. Oui, voilà, dès 8h30 AM. Oui, dans le local du Jardin Pam. Au nom de Jésus, c'est ça, bon Dieu, t'es préparé comme provision. Comptez sur mon Dieu pour le continuer à canaliser la vie nous chaque. D'accord? Merci, amis. Bonne journée. Bon week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Et à demain, au plus près de nous. Voilà, amis. Merci encore.